Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Comme nous connaissons, le dernier cas assassinat policier, il fait hier après-midi par le fameux chef de gang Jimmy Cerisier, communément connu comme Barbecue. J'étais là en personne du fusil policier, policier en deuil encore une fois à cause de l'action bandit qui depuis 2 semaines a attaqué, tué policier. La police a déjà pris des mesures pour monter des opérations dans Fief Nexayo. Nous frapper déjà Fief cracher du feu, Jean-Aurélil. Nous prenons disposition pour nous quadriller toute zone en bas de la ville à la recherche de bandits qui pensaient qu'ils allaient continuer à assassiner, tuer les policiers. Son situation, côté nous-mêmes nous dit, ils ont franchi la ligne rouge. Et la police a pris toutes mesures pour lui mobiliser toute force li pour traquer M. Sayo. Première disposition que nous prenons, c'est annoncer l'état d'alerte. Tout policier convoqué dans le commissariat et n'a monté opération pour nous capables d'augmenter la présence de la police là avec la police administrative à travers les rues et monter opération avec les unités spécialisées qui entraînent pour ça, qui forment pour ça, pour nous continuer de traquer Bandi. Malheureusement, nous avons enregistré au cours de la journée des actes de pillage. Nous prenons disposition dans une zone que nous avons information que ça va le faire à partir de l'après-midi, hein, dans une zone route aéroport, dans toute zone que Bandi yo capable positionner yo pour une fois de plus pour yo semer le trouble dans la ville, dans le pays. Moi, je fais appel à tout policier en dehors de dispositions que nous prenons, que nous dit nous en base, pour que nous restions ensemble pendant que nous avons pensé à les policiers qui tombent, nous avons pour devoir pour nous protéger la population. Malgré situation difficile, mobilisation PNH là, pour que nous vînions plus fort, pour que nous plus présents, pour que nous cherchions moyens tout pour monter plus d'opérations à partir de l'après-midi, hein, à Soya, jusqu'à ce que nous rétablissions l'ordre à travers la ville. Quittez tout d'abord, rapide, on fait un petit passé sur le voyage à New York. Côté mental intervenu devant Conseil de sécurité de l'ONU. Certain que en pile dans nos villas, nous avons découvert l'événement ça. Donc, objectif là, c'était à renouveler engagement avec détermination président de la République là, devant le conseil là, pour organiser bon gens élection pour 7 février 2022, nous capables d'assurer une passation de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement. Et du coup, renouveler personnel politique là, parce que nous connaissons l'année 2021, c'est une année électorale dans tout niveau. C'était vraiment avec un pile satisfaction, moi j'étais, ouais, membre conseil sécurité, yo toutes, sans distinction, croit que ces élections dans l'année ça pour organiser pour un pile contentieux politique vidé
et pour un transfert pacifique pouvoir dans la date 7 février 2022. Donc tout le monde qui t'a suivi l'événement ça, tout le membre du Conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui était constant dans la position, c'est nécessité pour organiser l'élection et vous encourager également dialogue entre tous acteurs. Comme nous connaissons la question de sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne vais pas perdre du temps. Je suis retourné sur New York tout à l'heure. Il y a 3 heures de temps de cela. Je suis décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, gagner une idée de dernière disposition que PNH là a adopté, mais également pour me connaître ce qui passé dans les dernières 48 heures. Ma profité présenter sympathiquement par famille policier Simo Limage Gasley qui tombait ailleurs dans la zone d'Elma. Ma présenter sympathie tout par commandement Simo et tout l'autre frère d'âme policier qui perdit Youn parmi eux. Papa Sirio, que crime ça n'est pas prêté impini. Je connais jeudi à la police nationale là, était bas en point de presse. Mais l'important dans la permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle pour le ministre pour informer la population. De temps en temps, sous mesure et disposition que nous apprenons pour nous bailler aux sécurités, pour nous vaquer l'activité. PNH la prend ça comme habitude désormais. Depuis qu'il y a un problème dans la rue, la convoque la presse pour lui informer qui ça a passé. De façon pour ne pas demander qui ça a passé et prendre information. Mais les gens qui parlent là pour nous donner information, pour nous capables de bon genre information. Depuis qu'il y a un problème, PNH a convoquer la presse pour lui dire mais qui problème et mais qui ça l'a fait. Pour le problème qui était arrivé en bas la ville là, hier après-midi, qui était 17 juin, et jusqu'à date, il y a une intervention policière pour qu'on y aille en bas la ville là. Mais qui c'est ça qui est arrivé? Il y a une opération policière en bas la ville là hier. C'était depuis après affrontement entre Delma 6 et base Crash Diffé. Et Delma 2, c'est une population qui était habitée en Delma 2, qui était obligée de partir quitter la zone pour aller réfugier, soit dans la zone Simoa, ou bien dans l'autre zone qui environne la zone, dans l'espace là. La police lui-même était là, à bailler mon sa sécurité, prendre contrôle dans l'espace côté OTIA. Hier 17 juin, il y a une vive tension qui est régnée en bas la ville là. T'es une opération en bas la ville là. T'es un policier qui arrivait blessé. C'était un policier boy qui relait roi et libel. Policier ça pour qu'on y a là, il pas trop grave, il était exécuté, il a caillé pour qu'on y a. Toute machine qui était contre assurer transport passer d'Elma 2 pour aller dans marché qui dans zone là, t'es prend plaisir vinn déposer tout le monde que yo t'a transporté dans zone Simo pour arriver dans zone inspection générale et pour sécurité moun sa yo policier qui dans zone yo t'es commencé mandé yo pour évacuer pour aller dans l'autre zone parce que yo ka courir danger. Après un petit moment, yon machine qui t'est pour aller dans service circulation t'a passé dans zone Delma 6, yo t'est tiré sur machine ça. Et c'était bandit Axam qui est dans la zone d'Elma 6 qui était tiré sur la machine. La police lui-même était prend disposition. Peu de temps après, il a fini informer la police que dans garage BNH, il y a un problème. La police, qui c'est Basimo qui est dans la zone qui est plus près, il était couru à l'intervenir. Pendant la fin d'intervention, yo rivé repousser tout le monde qui était venu faire dégâts dans l'espace côté la police d'entreposer toute machine qui a problème li yo. Après un petit temps passé,
Il y a une patrouille Simo qui t'a rentré dans la base Simo. Yo attaqué patrouille Simo ça. Pendant la patrouille a passé, il y a un policier qui arrivé prend cartouche dans la tête. Malheureusement, il arrivé perdu la ville sous cabane l'hôpital. C'est policier l'image Gasley, yo agent 1 qui sorti dans classe 29. Il était affecté dans Simo. Et il y a un autre policier encore qui c'est Pierre Salou. Qui est arrivé blessé. Vous recommandez la police là. Commandant chef là, tu es à disposition. Et hier soir, tu as eu une intervention qui était faite dans Delma 6. Pour jeudi, l'opération a continué. L'IPAP campé. Il y a plusieurs unités spécialisées qui sont dans la zone pour qu'on y a. Il a continué à camper là. Il y a cherché tout le monde qui était impliqué dans ce qui était fait là. Tout le monde qui était impliqué dans ce qui était fait là. Spécialement, Chérisier Jimmy, il y a cherché lui pour qu'on y a, alias Barbecue. N'a pas rappelé, après plusieurs actes qui étaient faits sous plusieurs sous-commissariats et antennes de police, dans la zone métropolitaine, DG PNH l'a pris disposition, mettait tout policier. Tout policier qui dans tout département pays a en alerte maximale. Côté Mésista, il est déjà arrivé à joindre tout commandement. Tout le monde qui est responsable dans tout département a déjà eu information ça. Il est déjà commencé en application. Côté DGPNH, il a demandé pour présence la police là, plus visible. Pour fouille, opération de police, pour renforcer. Disposition ça. Ce n'est pas pour faire revanche, mais pour la police la fait job. La police a un job pour assurer la sécurité de tout le monde, alors la police la fait job. Parce que les bandits avec les armes veulent faire loi. Alors la police la lui-même, qui c'est force qui peut établir l'ordre, alors il y a rétabli l'ordre. Recommandement, ensemble avec toute troupe, lui demande pour toute police, vini ensemble avec vos commandements pour yo mettre yo ensemble pour yo capable rétablir l'autre pour yo ressouder yo yon ensemble avec l'autre et pour yo capable prendre défense toute base yo. La police pas fait bac, tout policier doit prendre contrôle toute base yo et ensuite assurer sécurité yo et sécurité population parce que c'est nous qui la pour ça. PNH là c'est force de l'ordre, gros commandement à travers commandant chef li mande tout policier yo pour rentrer en mode opératoire. Tout responsable yo apprend commandement. Y a bay commande dans zone yo pour yo lancer opération. Dans sens ça, il y a un mode offensif qui lancé. Tout nèg avec zam a rete dans limite yo, sinon la police a cherché yo et la justice lui-même a bay l'ordre pour yo mener yo bali. La police, dans la limite, la loi Bali, fixe tout travail qui est supposé faire. Et la fait, la continue à faire, li pa fè bak. Tout bandit, sans foi ni loi, qui voulait attaquer la population, et yo prend la police la possible, la police la passible, la police la là pour travailler pour tout le monde. Tout le monde, la police la doit tout le monde sécurité. Alors, pas aucune raison pour personne monde prendre la police la possible. Alors, recommandement, commandant en chef PNH là, li mandé pour tout le monde pote coller. Li pa mandé personne l'autre monde à part PNH là pour aller faire opération ou bien pour aller faire aucune autre décision. Li seulement mandé pote contribution pa yo. Nan ki façon on monde ou capable pote contribution pa yo? C'est dans bay information. C'est dans respecter ça qui établi. Côté ça ou mandé pour faire limite yo fixé, respecter yo. C'est n'a participer, n'a pas arrêter bouche fermée, les ouais en bagaille ou informer la police là. C'est comme ça au commandement à travers commandant chef li mandé tout le monde porter collaboration yo, mais pas mandé personne à faire intervention. C'est une façon pour finir à tout à tout fait, qu'a empêcher population en vivre. La police a lui-même déterminé opération pas fini, nous commencer pour qu'on y a et li a continuer. Pendant la paléa, PNH là a traqué tout bandit. L'a cherché tout bandit. Nous-mêmes, si nous avons information, bail la police information.
pas arrêter camper sous côté pour n'a garder pour n'a dit PNH lui même c'est devoir lui oui il connaît ses devoirs lui mais nous même nous devoir pas nous pour nous côté contribution pas nous à tout policier moment c'est gourmet lié bandit prend possible bandit a attaqué commissariat bandit a boulé policier hier des bandits tiré son patrouille la police Simon yo engagé tir avec yo yo assassiné yo tiré un policier qui prend balle dans tête PNH c'est gourmet lié yo seul stratégie de guerre c'est gourmet contre bandit bandit qui fait vivre à voler à kidnapper à harceler à semer deuil à désolation de la population PNH c'est gourmet lié mettez la tête pour une fois pour toutes nous fait bandit qu'on est nous pas cabrit nous gen met nous gen force la loi nous même nous dans bataille nous gen la loi dans do nous gen mission pour nous exécuter pour nous accomplir c'est bay tête nous sécurité pour nous bay population sécurité pour nous croiser bandi yo ka frappé une fois yo ka frappé deux fois nous-mêmes en nous présent dans commissariat nous en nous était en état d'alerte en nous mettez tout ça en gagné pour nous renforcer commissariat nous en bas la ville là nèg a frappé sur l'aéroport la police a frappé nous pas frappé seulement nous va chercher yo attaqué commissariat la Saline n'a poussé pour nous pour faire bataille là et bataille là fait sur tout territoire une seule stratégie la police a gagné c'est gourmet contre bandi contre vagabond yo choisi pour vivre 2-3 ans ni prise dans dernier mois dans dernier jour yo et seule façon pour nous finir avec phénomène ça c'est mettre la tête manger les âmes nous organiser patrouille nous mandé population le fait n'a mandé population accompagner nous parce que nous pas sorti j'aime dire là non l'autre planète policier yo c'est frère nous amis nous camarades bandi yo c'est ennemi nous il y a pas attaqué n'a pas réponse il capon titan mais nous mobiliser jusqu'à ce que bandi comprenne faut exaction fini et l'a fini le nous fini pas arriver stopper c'est gourmelier c'est bataille n'a bataille ensemble pour la population sécurité côté du BMPAD n'a informé population et que pas gain problème essence vraiment pas gain et pénurie gaz et sous marché parce que lundi soir il y a un bateau qui débarquait à Port-au-Prince qui transportait 250 000 barils de gasoline et 45 000 barils de kérosène. Et ceci est le terminal que nous gagnons à Vareux. Il a déjà reçu le terminal ça, à lui-même seul. Il a reçu 161 242 barils. Gasoline. OK? Donc et il recevoir aussi 31 769 barils de kérosène et terminal que nous gagnons à Torlan, il recevoir 39 000 barils de gasoline et 13 500 barils de kérosène. Problème qui vient là, il est dû à phénomène insécurité qui a fait rage depuis un bon bout de temps en Haïti et ceci pas seulement au niveau de Port-au-Prince mais aussi bien
dans les villes de province, dans certaines villes de province, à travers tous ces départements. Donc, il y a une situation de panique. Transporteur qui pour Alpran essence là, normalement, zone immédiate ou bien environnement immédiat, côté que terminal Saoyan, il y a une sécurité. Par exemple, à Matissan et Trista, qui c'est une terminal. Donc on est que c'est diesel qui le stocke lui-même. Donc pour camion gain accès avec elle pour passer par Matissan. Et donc on est situation Matissan comment lui. Tolland par exemple et côté gain l'autre terminal encore pour transporter là entrer là son problème. Maintenant faut qu'il rentre là dans un premier temps il approvisionner tête yo et il fait dispatching là. Il approvisionner station de service yo. Et, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Par exemple, à Varoué aussi, on connaît deux bandes rivales armées, Cap Goumé pour territoire. Et ça fait qu'il y a une situation de panique, en pile cartouche à tirer. Donc, produit ça, produit pétrolier, on connaît c'est un produit qui est inflammable, qui est très dangereux. Maintenant, à n'importe quel moment, ça t'a arrivé, bon cartouche qui tombe dans le tank là, ou du moins, le choisi de diffuser là-dedans. Et là, ça, toute zone est exposée. C'est-à-dire, vous avez en vie humaine, matériel, tout ça. Donc, c'est toute situation ça, qui crée, et ça n'est pas capable de situation de rater apparente et circonstancielle que vous qui gagne dans certaines pompes. Maintenant, le problème, là, c'est au niveau du gasoline, mais pas au niveau du diesel. Parce que toute pompe, a bail diesel. Mais maintenant, ça qui attire l'attention moi-même, comme observateur, bien que je parle dans non BMBAD, en tant que membre service communication, BMBAD, c'est que pendant que pas de gasoline, ou il y a des gens qui vendent gaz dans le galon, parfois à proximité de station de service. Donc si pas de gasoline dans la pompe, comment se fait-il que y a gasoline à terre? Et ceci, ils vendent marché, ils vendent galon de gasoline à un prix très excessif, qui permet que la population souffre. Souffrance en lit au niveau de. Moun sa yo ki besoin approvisionner tête yo pas capable soit à partir de motocyclette qui ont gagné machine qui ont gagné machine privée etc qui boule gaz qui boule gasoline malheureusement jusqu'à date par rapport à situation de sécurité ça que nous censé décrire pour là et pour qu'on gagne distribution qui fait vraiment les transporteurs yo dans la peur et on connaît sans stockage yo même yo pas là pour faire distribution c'est compagnie yo seulement abriter compagnie. Donc qu'on y a là lorsque et compagnie eux-mêmes dans sens ça yo prudent yo pas et en fait yo pas mettre des monde yo pas mettre des transporteurs yo pas mettre des camions pour engager à distribuer yo a toujours une situation comme ça. Donc c'est ça c'est explication ça parce que on capable bail et ça m'a dit les refléter réalité qui est sous marché. Dans attribution non au niveau du BMBAD c'est et fait commande, place commande du attend. Et une fois qu'il arrive à l'en fait, tant qu'on lui fait lundi soir, et que produit le distribué à travers terminal, et bien là ça, dispatching en fait, il va alimenter station de service et population lui-même, il prend gaz là, il utilise à ses propres fins. Maintenant, nous-mêmes, automatiquement, nous finissons. Et rempli mission nous pensons que mission nous était là qu'on a c'est à la police et aux instances concernées qui ont un rapport à question sécurité mettre sécurité dans le pays hein, qui pour mettre des voies au propre maintenant pour que capable de gagner un climat qui propice à circulation machines notamment et transporteurs vos camions qui va prendre gaz à eux pour le distribuer non seulement à travers Port-au-Prince mais dans les villes de province etc. Et puis qu'on y a là, je pense que automatiquement le problème ça résout, le problème de sécurité, nous sommes capables de souffler là-dedans, comme moi la police a séparé l'école sérieusement. Nous continuons, nous féliciter et en même temps encourager vous continuer dans le même élan, dans le même effort ça. Parce que bagarre n'a pas arrêté comme ça. Ou qu'on ait un produit ça, son produit transversal. Et que nous pas seulement utiliser la machine, nous utiliser d'autres fins aussi. Maintenant, lorsque il y a un handicap dans le niveau ça, au niveau du secteur ça, et bien l'impacté, vous êtes capable de dire globalement, généralement, sur toute société. Donc sous base, et nous avons fait appel à
autorité qui concerne yo, notamment le chef de la police et monsieur Léon Charles, pour que y ait des efforts qui fait dans ce sens, parce que population antigen essoufflé, alors que problème là, il y a un problème réel dans la mesure où il y a gaz, il y a gasoline, il y a kérosène et il y a diesel. Il y a le terminal Trista qui est trouvé dans la zone Matissan, et que il y a une question qui a posé sous base, est-ce que le patron a alimenté bloc sud de la net, puisque lui-même, on dirait qu'il n'a pas fait partie du gros lot. On a fait une précision sur ça pour nous dire que oui, il fait partie du gros lot. Et parce que lui, dans la zone Matissan, qui est une zone qui était exposée. Et en plus, lui-même, c'est seulement diesel qu'il stocke. Donc, et pour machine dans sortie dans le sud, soit à Jacques, mais ou du moins à la même grand sud en bloc, d'après les cailles ou bien quelque chose à côté qu'il a sorti. Hein. Pas oublier la passée Tigouave, la passée et la rendue dans Matissan. Donc, il est autant exposé que toute notre zone, qu'il s'agisse de Varoué ou Tor, parce que vous connaissez le système de sécurité hein, de nos jours, il est très dynamique, il est très mobile. Donc, à n'importe quel moment, coup de fil qui a passé, et pour les gens qui ont un projet, ça, et puis, et camion exposé, et puis transporteur dans lui-même, non seulement il perd 10 villes, camion perd du tout. Donc, c'est un peu ça. Mais si, mais que. Et directeur BM Badlan, en la personne de Ignace Saint-Fleur, fils aimé, il est trop responsable et il prend quelque chose à trop à cœur pour que tu aies une voie de sortie comme ça, une voie de solution comme ça pour ne pas être capable d'utiliser, pour ne pas être capable d'exploiter. Donc en gros, et regarder de loin, on a toujours pensé que le Grand Sud est capable et toujours fonctionnel, opérationnel, par rapport à approvisionnement et station de service et Trista lui-même qui sont terminales qui trouvent la Matissan, non, il n'est pas comme ça. Parce que non seulement lui-même il n'y a pas de gasoline, il n'y a pas de gasoline, mais tout dans la zone qu'il y a, son zone à haut risque. Donc il n'en est pas question parce que personnel tout, personnel qui travaille dans le terminal là, ils sont dans différentes zones, parfois il n'y a pas de passer tout ça. Donc tout ça entre en ligne de compte. Je pense que le problème de sécurité, là, c'est pour adresser sous plan national, parce que je dis, hein, tout côté exposé. Donc, il faut que l'État passe maintenant en jeu dans ça, continue à renforcer l'effort qu'il a fait, notamment la police comme institution. Donc, on est dans une situation très difficile à travailler, mais de toutes les façons, nous là pour servir la nation, hein, protéger et servir, et dans sa population, parce qu'il a tant de résultats pour que, enfin, le gaz soit capable de distribuer dans les stations de service, pour que la population soit capable d'alimenter et pour capable d'entrer en activité. Pour le problème, ça crée, je vous dis, problème tout ça, problème raté, gasoline éphémère et capable de circonstanciel ça, qui capable finalement disparaître et pour la société à reprendre rallye dans le sens ça n'a pas lieu là. En réalité, dépôts pétroliers, dépôts côté stocké gaz, logés dans des zones qui sont assez sensibles. Par exemple, et Varo qui est un abigo dépôt qui est dans le pays, il est logé Cité Soleil. Et jeudi, un dépôt ça fermé. Et hier, que il était fermé tout. Et il y a un gaz, il y a un bateau qui arrive pompé dans le dépôt avant-hier. Nous connaissons que le gazoline est disponible en bas. Le grand défi jeudi, c'est arriver, voyer le camion à charger pour livrer dans différentes stations à travers le pays. Comme je dis, on a un bel espoir. Et avant-hier, le nom apprend que le bateau arrive livré, commence à arriver livré dans le terminal là. Bon, par contre, si on finit livré entière et toute intégralité et produit que le bateau a été porté, parce que il y a une contrainte, le problème de sécurité a été posé. Et le terminal est obligé de fermer avant-hier. Hier, je voulais dire, et puis je dis encore. Bon, je dis, dans le cas particulier, ça, je dis, c'est question de sécurité. Mais il y a deux semaines de cela, tu as une pression sur la gasoline, parce que le bateau peut être arrivé, ou du moins ce bateau peut être livré. Et comme on a remarqué, à travers pendant deux à trois dernières années, ça, là, c'est ça, nous, on risque seulement. Et je me suis rappelé presque 4 ans. C'est retard sur livraison. Il est dû avec plusieurs raisons. Et raison évidente, c'est que le commandant ne va pas s'attendre. Et des fois, le commandant, le bateau a conduit là,
paiement va arriver par bateau va décider de livrer ou du moins un paiement partiel qui fait li ba une petite quantité la tande reste paiement pour ba reste quantité. Deuxième bagaille là que nous voyons le plus souvent jodi en c'est un plus gros défi secteur a gagner c'est côté secteur c'est les problèmes sécurité a non seulement le va fonctionner terminal c'est tout sous toute route c'est attaque chauffeur après. OK chauffeur camion en général dans tout sur tout territoire et pays a c'est attaque nous gagnons des groupes qui érigent réclamer des zones pour sous différents revendications c'est attaque que c'est plate caoutchouc casé vite boulé boy ici et voilà passé par là et c'est toi c'est moi même c'est toi baillon et puis et l'autre bagage que nous parler moi parler de l'ido moi penser que et en ce qui a trait avec capacité de stockage nous et jodi en pays comme Haïti pourquoi pas que pas une capacité de stockage de 45 à 60 jours est-ce pourquoi c'est obligé autour de chaque 15 jours il faut qu'on bon bateau qui arrive et si bateau ça pas arrivé déjà son pression sur quel que soit produit que il y a bon pas gain l'autre alternative nous rester avec doit nous croiser espérer que bon conscience qui a dégagé qui était dégagé autour de monde qui gain zame dans main qui bon qui gain contrôle sécurité qui gain problème qui il y a problème sécurité a pour faire comprendre que gain monde qui l'hôpital qui besoin et gaz à pour génératrice hôpital de fonctionner ils ont besoin d'oxygène là c'est avec en fonction de énergie pour le produit et gain toute ambulance qui a circulé denrées pour arriver dans différentes villes de province que gain tout un peuple qui a souffri de ça qui a passé là et je pense que c'est un message ça que m'ta aimé voyer et vous faire comprendre que en dehors de bon pour qui ça comme si et problème et utilisation zamna et autour en dehors de grief ça que mon yoka gagner et gagne l'autre monde ces pays a souffri tout pays en entier a souffri quel que soit ça le tabier même si c'est d'avoir un bateau dans ville de province livraison t'a pas arrivé fait terrestre quand même parce que faut gagner un camion prendre sur côté port que la côté bateau approché pour livrer dans ville là ou bien dans ville et quel que soit et méthode qui t'a venir dégager demain si je veux voie terrestre ça c'est on voit qu'a toujours priorisé pour que livraison en fait même penser que et faudrait-il que l'état on pas connaître l'état privé on tranche un secteur privé à Haïti aujourd'hui selon moi même nécessité on l'autre dépôt pétrolier et ceci faut qu'on calcule qui fait et que dépôt ça construit dans un lieu stratégique et pour permettre que c'est pas dans des zones à risque et pour permettre que mon yo et nous pas obligé à subir de bagages ça de choc ça par exemple non cas comme ça côté que produit a manqué totalement sur tout territoire national là et bateau rivé là tout le monde a fait pression vers normalisation situation moi même moi ouais n'a pas arrivé commencer ouais gaz dans station si pas des contraintes dans 3 semaines tout bagarre à l'aise mais tout autant que gagner situation capacité de travail on joue pas travail demain pas travail on l'autre jour n'a toujours joué une pression dans la rue à jodi en station ça gagner après demain il pas bien encore l'autre ça gagner si de suite à tour de rôle vous me permet de prendre la parole ce matin dans un cadre tout à fait inhabituel et particulier en raison de la menace certaine de la pandémie due au COVID-19. À cette modeste cérémonie de versement de contributions du gouvernement de la République de Chine Taïwan, visant la poursuite des activités du projet de renforcement de la production nationale de semences de riz, réponse. En effet, le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles du gouvernement rural exécute conjointement avec la mission technique taïwanaise, opérant sous la tutelle du Fonds taïwanais de coopération et de développement international, ICDF, ce projet qui est à sa 3e année de mise en œuvre dans 3 régions rizicoles du pays. La vallée de la Tibonite, la plaine des Cailles, les plaines du nord de Saint-Raphaël et de Maribaro. Ce projet financé par la République de Chine Taïwan, exécuté début janvier 2019, vise à terme un objectif global de production de 20 000 tonnes de semences de riz de qualité. Aujourd'hui,
nous avons le plaisir de remettre à la coordination des trois sous-projets un chèque représentant une valeur totale de 2 413 000 dollars américains, leur permettant de réaliser les objectifs techniques envisagés pour l'année 2021. Je saisis l'occasion pour remercier solennellement, au nom du gouvernement haïtien, le gouvernement de la République de Chine Taïwan, représenté par l'ambassadeur Wang Jianpu, pour cette précieuse contribution au secteur agricole haïtien, témoin de la solidarité et de l'amitié qui tient les deux peuples. Une contribution qui impactera significativement la production de riz durant les campagnes de l'année 2021, avec des effets sur la sécurité alimentaire. En outre, je reconnais que les activités du projet ont été perturbées pendant les années précédentes, provoquant des retards significatifs sur certaines réalisations. C'est pourquoi, sur l'avis des techniciens haïtiens et taïwanais, je participe à l'exécution du projet avec l'accord de l'ambassadeur Kou, envisage un prolongement de la durée d'exécution jusqu'au 31 décembre 2022. Pour finir, j'ai cette opportunité pour exhorter nos techniciens à une plus grande collaboration avec les coopérants taïwanais en vue d'une plus grande valorisation de nos fermes expérimentales comme Roger, Lévy, centrées sur la recherche de nouvelles variétés et la régénération d'anciennes variétés comme la Madame Gougousse, la Fête à Pierrot, qui faisait la fierté de nos visiteurs dans la vallée de la Tibonie. Vive Haïti, vive la coopération Haïti-Taïwan. Le monde entier lutte depuis 18 mois contre la pandémie mondiale de la COVID-19. Des pertes de vie sont enregistrées partout dans le monde et l'économie mondiale traverse une grave conjoncture qui affecte encore plus les couches sociales les plus défavorisées. Toutefois, pendant que la crise nous détourne de l'essentiel, il est plus que jamais incontournable de se souvenir de notre rôle premier en tant que gouvernement et de se préparer à rebondir une fois que la pandémie sera vaincue. C'est ainsi, et surtout dans cet état sanitaire particulièrement difficile, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne en apportant aujourd'hui une nouvelle tranche de financement au ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural pour la réalisation du projet de renforcement de la production de semences de riz réponse. Car sans la sécurité alimentaire, il n'y aura pas de stabilité sociale, encore moins possible la sécurité nationale. Taïwan est un partenaire fidèle de longue date Haïti, surtout dans le domaine de l'agriculture. Depuis mon arrivée dans votre beau pays, il y a 10 mois, j'ai pu visiter plusieurs reprises les réalisations du projet Réponse dans les départements du Nord-Nord-Est, de l'Artibonie et du Sud, et plusieurs fois avec M. le ministre. Et de constater de l'issue le résultat futur de notre coopération. Malgré que la production locale subisse une très grande concurrence du riz importé, je suis convaincu que sur le long terme, l'agriculture est un investissement bénéfique pour le peuple haïtien. Les générations futures pourront bénéficier du retour sur l'investissement du travail que nous faisons aujourd'hui, tout comme la génération actuelle bénéficie du travail des générations précédentes. Construisons ensemble un avenir prospère et moderne pour Haïti. Vive la coopération taïwano-haïtienne. Je dis à nous là pour 2 jours dans le Caribe, dans le cadre d'une formation que nous avons réalisée pour les journalistes qui sont dans le département de l'Ouest, dans le cadre du projet de communauté pour nous toutes, qui est un projet que l'Impact a mis en campé avec le financement USAID et puis support technique BCF. Donc, nous avons travaillé dans 4 départements dans le pays, qui sont Nord, Nord-Est,
plateau central avec l'ouest. Donc nous avons 8 communes dans 4 départements. Et nous travaillons avec 8 associations pour les handicapés. Et donc, dans le cadre du projet, ça, nous avons une série d'activités que nous planifions et formation pour représentants médias, c'est une activité ça. L'important pour nous, parce que les médias jouent un rôle qui est important. Et là, on parle de une communauté pour nous toutes. C'est une communauté côté que tout le monde la donne et côté que chaque monde connaît que y'a un rôle que y'a gagné pour jouer dans la communauté. Médias eux-mêmes, y'a fait reportage, y'a pas de question, pas de question dans le reportage. Et nous voulons accompagner les médias, nous voulons accompagner les journalistes dans le reportage que y'a fait, dans le bon gens outils pour y'a capable d'utiliser des mots qui pas discriminants, des mots qui respectent les droits monde, des mots qui très inclusifs, donc y'a utilisé un langage qui est inclusif pour aider nous dans la bataille que nous faisons pour vraiment mon handicap et y'a capable d'inclure dans la société. Aujourd'hui, nous gagnons 36 journalistes qui sortent dans la zone métropolitaine ouest et nous gagnons tout en Port-au-Prince et nous gagnons tout qui sortent cabaret. Donc nous gagnons 36 et qui participent. J'en parle dit à l'heure, nous gagnons à peu près même quantité qui participent dans le département nord avec nord-est. Donc à la fin, nous prenons le plateau central là tout. Et à la fin, qui attend nous, c'est vraiment que journalistes jouent un rôle actif pour sensibiliser la société, hein, pour encourager, pour produire des reportages qui adressent la situation de droit des handicapés dans la communauté. Hein, mais non seulement pour adresser la situation de droit des handicapés, mais pour faire des gens qui sont inclusifs, qui respectent la dignité, qui respectent les droits en tant que monde. Nous avons pour nous réaliser des ateliers tout avec des employeurs, avec des gens qui ont des services dans la communauté. Hein, parce que là, il n'y a pas d'inclusion des handicapés, c'est inclusion, c'est vivre. On gens qui autonome en toute indépendance pour être capable d'avoir accès à tout service qui vient dans la communauté en son base égale égaux avec tout le monde. Et puis dans quatre projets ça tout nous gagnons pour nous accompagner 8 organisations mon handicapé pour renforcer capacité parce que nous mêmes pour nous l'important li genre ça aujourd'hui en information hein, c'est pas nous qui camper cap bail formation nous accompagner association mon handicapé nous bail aux outils pour eux même nous faire formation parce que nous t'estimer que yo t'es mieux placé pour yo capable faire tant de voix yo mieux placé pour yo capable parler avec média yo parce que yo gon vécu yo gon gens yo vivent expérience dans la communauté hein. donc c'est ça en gros c'est vraiment un projet qui voulait mobiliser toute force société hein, toute force communauté hein, pour nous capable faire un seul et pour nous capable vraiment travailler pour inclusion mon handicap c'est rôle nous c'est en tant que l'État pour que nous soyons capables de présenter un type d'action. Parce que BSF, un de nos projets, c'est partenaire technique dans l'exécution du projet. Donc, ça veut dire que pendant que la formation a fait pour renforcer les gens qui sont médias, donc travailleurs de la presse. Donc, c'est important pour nous présents, non seulement pour nous montrer comment que nous-mêmes nous étions accrochés tout avec le travail là, mais tout pour nous montrer l'importance que nous-mêmes nous gagnons tout dans la cause donc plaidoyer qui a fait pour respect droit de mon handicapé. Pas oublier que les médias nous toujours dit, donc nous sommes proches avec la population. Il y a formé, donc nous jouons rôle éducateur et éducatrice tout. Donc pour ça, donc nous estimons que depuis Média, nous avons gagné un minimum. Donc ça a aidé nous à changer la perception, a aidé nous tout, changer le langage vis-à-vis de mon handicapé. Donc pour être capable de gagner un langage qui est acceptable, qui est inclusif, côté que pour eux-mêmes, ils ne pas discriminer les gens, donc dans la façon que vous parlé, soit dans le reportage ou bien soit dans ça que vous avez écrit. Et qui a bien entendu un lien avec la convention relative sur le droit des gens qui sont handicapés. Mais étant donné que la question handicap la kounia, c'est dans le monde, donc il a réfléchi sur lui. Ce qui veut dire nous estimer que des fois, et pas oublier, nous proches avec mon handicapé et tout. Donc il y a des concepts qui sont sortis. Donc mon handicapé, il sentit que il est blessé. Or, il y a des gens qui font parce que nous n'avons pas connu. Donc maintenant, nous avons redressé ce bord-là une façon pour que nous capables de corriger ces détails. Mais nous pensons tout qu'il y a des journalistes qui sont très bien formés. Mais par contre, nous connaissons quand même avec jargon et tout ça. Donc c'est juste essayer de mettre des points sur les i. Mais ce n'est pas que nous n'avons pas gagné de détails déjà, de formation sur question du tout. Mais même si c'est des gens qui sont formés pour la première fois, nous pensons que ça, c'est juste pour renforcer dans le cadre de travail. La façon dont on a pensé pour là, c'est vraiment avec
nous capables de dire une précarité énorme, nous capables de constater, j'ai mis un bâton là, et j'ai tout comme mouillé, et nous pas dans condition vraiment pour nous enseigner avec le meilleur de nous-mêmes. Mais quand même, nous avons essayé d'accommoder nous pour nous garder capables de garder qui gens nous capables de faire le strict minimum pour nous arriver à faire face à l'examen baccalauréat que nous devons assurer. Là que nous étions en bâton là depuis à partir 11h midi et vraiment après nous toutes ces fonds n'a fond nous pas capable et vraiment dispenser pour et ta dame jeune yo tout parce que imagine nous dans une classe nous gagne 60 étudiants avec quantité chaleur ça chaque monde a produit quantité chaleur ça ouais tout là c'est avec frais carré ou été pour capable essayer garder qui gens eux même capable joindre aussi et fraîcheur mais rester en battle ça pendant un coup et façon pour pouvoir ta passer là vraiment il va arriver et passer comme ça chaque rentrée chaque nouvelle rentrée académique et bien administration hein, les obliger faire des réparations mais écoutez il y a un moment en fait qui arrivait côté que boyo planchio mon cher pas capable prendre clou encore et j'aime des tout à l'heure yo accusé le coup et le sao vient des tôles qui trouaient et le la pluie tombée c'est l'inondation donc ou vient gagner et yon l'école côté que qui capable et tolio capable de tomber sous l'air mais pas tomber la pluie. On va comprendre que le la pluie a tombé et élève professeur une situation extrêmement délicate, extrêmement en fait compliquée. Nous connaissons que gagne un projet de construction et il gagne le projet allié pas avancé à grands pas d'après les informations dont je dispose mais par moment on a comme l'impression que le projet bat de l'aile, le projet est à volo. Là nous dit le projet bat de l'aile et ou t'as gagne l'impression que et n'a fait du surplace ou t'as gagne l'impression que et pas gagne rien de sérieux en fait de qui a fait mais au fond et nous t'as capable de dire que c'est pas en fait le cas parce que tous les acteurs qui sont impliqués en fait dans ce dossier je dirais presque tous les acteurs impliqués en fait dans ce dossier et faire montre de bonne foi ils ont montré bonne foi et parce que ce soit au niveau de la DGI et au niveau du ministère de l'économie et des finances d'accord donc il est avancé et l'autre partie et qui est représentée par en fait avocat il est vrai que dans un premier temps il y a une première négociation qui était faite et là les deux parties étaient trouvées en terrain d'entente et les que gain pour rencontrer pour le dépôt et bien il y a une sorte de marronnage en fait qui fait et puis il y a la surenchère ouais et que de 700 000 dollars si je ne me trompe il vient passer à plus d'un million en fait de dollars donc c'est de la surenchère et les que donc on est que gain en première entente en fait qui était faite et puis et en tentant Livin cassé et de manière unilatérale tandis que dans le cadre n'est-ce pas en fait d'une entente cela requiert n'est-ce pas les deux parties or les que aux deux parties ont été météo et d'accord pour 700 000 dollars pour l'acquisition de l'espace et puis et il y a n'est-ce pas quelqu'un et disons le représentant et de l'autre partie si je dois me fier n'est-ce pas aux informations dont je dispose qui lui-même est passé de 700 000 à plus d'un million. Donc là, c'est de la mauvaise foi. Et vous voyez, donc, et ça dérange. Et c'est la raison pour laquelle que jusqu'à présent, que les enfants du peuple et qui se trouvent au lycée Jean-Jacques Dessalines, ils ont en grande difficulté pour leur enseignement, apprentissage. Parce que et tout le monde connaît que pour que élèves yo capable efficace et efficient pour que professeur yo capable efficace et efficient bien que déjà yo fait des efforts je dirais surhumains pour que yo baille des résultats faut-il bien que yo a évolué dans un environnement qui viable ou environnement qui sain ou environnement qui
propice à l'enseignement, apprentissage. Donc, ça dérange et c'est vraiment malheureux que des gens aient doués de bon sens et que si ce n'est pas l'école, très certainement, ils n'ont pas tapé le niveau que OIA. C'est vrai que Petit Yogin ne doit pas dans la situation élève lycée Jean-Jacques Desaligno. Même j'étais convaincu, même là que ce n'est pas Petit Paio directement, mais ils ont toujours gagné, n'est-ce pas, en arrière, petit parent. Je demanderai à celui, ou du moins à ceux qui seraient l'instigateur du blocage du projet de construction du lycée de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, pour t'a changé fusil d'épaule, pour t'a attendu voix élève. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, eh bien, et qu'on vise un espace beaucoup plus approprié, beaucoup plus adéquat, un espace qui pourrait, n'est-ce pas, en fait, permettre eh bien, la construction en fait, d'un lycée répondant aux normes de standard international avec des salles aérées, n'est-ce pas, et eh bien, de laboratoires d'informatique, laboratoires de physique, en fait, chimie, infirmerie, dortoir, auditorium, bref, et eh bien, un lycée de la même trempe, d'accord, que les lycées Alexandre Pétion, lycée en fait de Toussaint, et si ce n'est davantage, parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de parler du père fondateur en fait de la patrie, donc un lycée qui pourrait être, pourquoi pas, le lycée de référence, n'est-ce pas, en fait du pays. Et pour avoir un lycée de référence, faut-il bien que la référence et la construction, eh bien, lui montrer ou que c'est tout autre que les autres. Au nom de l'idéal des Saliniens, débloquer le projet de construction du lycée Jean-Jacques Dessalines, puisque presque tous les acteurs sont d'accord sur ce point. Au nom du personnel administratif du lycée, au nom des élèves et au nom des professeurs, nous disons déjà merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché, écoutez cap, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.